number one streak. There's something going in my juice, but I'm still squeezing, processing vernacular. Donc succès, donc ça veut dire la voix. XL en grande taille, en grand format, alla grande. Moi, a priori, je suis un musicien de jazz, je suis un instrumentiste. Et le fait de toucher au texte et à la parole, ça me brûle. Et donc, quelque part, il y a une frustration. Donc, ça me fait plaisir d'aborder le texte, la parole, qu'est-ce qu'on raconte. Est-ce que c'est des histoires? Est-ce que c'est des déclamations? Ça, c'est intéressant. We all play solos in the bathroom. I'm in the bathroom. Doing wood and matching equations. Paging battles like lovers wrist. I drink brisk, chill heavenly. And another bag of mochi cheese. I can fuck like cheese to make me play bass. De le faire avec Ibrahima Diassé qui vient de Saint-Louis du Sénégal et avec Mike Ladd qui vient de New York, c'est doublement intéressant parce que là c'est la parole avec deux angles d'attaque, à la fois au niveau du mode de langage et au niveau de ce qu'on raconte. C'est-à-dire le mode de langage, évidemment, il y a le slam d'un côté, on sait un petit peu ce que c'est, le rap, le monde du hip-hop, et puis le tassou sénégalais qui est un univers... qui existe dans la tradition, c'est une sorte de slam qui existe dans la tradition, très rythmique, très déclamatoire, où le griot harangue la foule sur des rythmes des sabars, très énergique. Donc c'est un répondant au slam qui vient de la tradition du Sénégal. Et ils vont avoir des regards croisés sur différents sujets que moi je vais lancer sur la table. Ko tax ni sam bakku mo xare bañu dan Touba elle est partout. Touba elle est partout. Et comme vous dites, moi j'ai comme Touba Mba, elle est partout. Et on a vu, ça c'était un challenge plus important que dans les projets précédents, parce que dans les projets précédents je pouvais me permettre à la limite d'amener des grandes partitions et puis de dire on va faire ça et voilà, on monte le répertoire. Il y a toujours des détails à régler, il y a toujours des improvisations avec des modes de jeu sur lesquels on peut améliorer des choses et donner plus de liberté, à condition de l'avoir pratiqué ensemble. Mais là, du coup, il y avait beaucoup de choses qui devaient se créer sur place et qui ne pouvaient pas se créer autrement que sur place. Donc je leur dis, allez-y, improvisez, la scène est à vous. Mais en même temps, il faut que j'oriente le propos, ouais. Et il faut qu'ils se comprennent, et il faut que le dialogue il ait un sens, et c'est ma responsabilité. C'est un dialogue qui n'est pas tout à fait, qui est pas tout à fait évident, parce qu'il y a quand même de l'anglais, du wolof, heureusement il y a un peu de français, donc il faut qu'on arrive à se comprendre et à parler de la même chose. Et moi, ce que j'ai trouvé pour ça, c'est de jeter des mots-clés. On va continuer avec un morceau qui s'appelle « Dribble ». C'est venu d'une discussion comme ça entre nous, une discussion politique. Et Ibrahima disait, ouais, les gouvernements, ils nous dribblent. Parce qu'ils nous feintent, ils nous montrent ça, ils vont là et tout ça. Donc voilà, c'est un morceau sur le dribble, sur les mensonges, les grosses manipulations, et aussi les petits mensonges, les petits secrets qu'on a le droit de se garder, toutes ces choses-là. Cette priorité donnée à la parole, au tchatcheur, c'est un vrai challenge pour la musique. C'est un vrai questionnement, et en fait, je me suis aperçu que ça m'a fait avancer, parce que, évidemment, la réponse à ça, c'est pas de simplifier le côté musical pour donner plus la parole à la parole. En fait, il y a d'une part l'obligation de rester dans... la nécessité de rester dans ma couleur musicale et de l'imposer, mais ça, ça vient presque après. Il y a surtout comment est-ce qu'on fait pour diriger l'orchestre quand même quand on est bassiste. Là, la basse électrique certainement s'impose parce que je savais que ça allait être un set assez baraqué où ça joue fort et où il faut que je puisse garder le contrôle quand même. J'ai demandé à Django Hartlap d'intervenir avec des traitements numériques en temps réel parce que je voulais qu'il soit un interlocuteur en plus, un improvisateur supplémentaire. Et c'est aussi parce que bon, j'ai déjà fait d'autres expériences avec le son des traitements d'ordinateur. Moi-même, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de jouer avec un ordinateur ouvert et puis de me balader avec une souris sur scène. Ça me va pas du tout de faire ça. Et puis je pense que c'est important de faire appel à quelqu'un qui a un vrai
une vraie virtuosité avec ça, qui a un vrai parcours, qui a réfléchi à ce qu'il fait avec ça, plutôt que de l'utiliser comme un gadget. Il y a une pureté du son, il y a une pureté du son en numérique qui est différente, qui donne un grain différent de ce qu'on obtient avec les pédales d'effet, et qui nous amène dans un monde en fait beaucoup plus actuel, et avec une poésie et une façon d'intervenir qui est assez différente de ce qu'on fait avec les pédales d'effet. L'album en fait qui va sortir de toute cette période là va être un album live à Musique au Comptoir, et je suis très content et très fier parce que c'est un lieu avec qui on a des affinités, et ils ont vraiment beaucoup aidé à avancer. What were you trying to say? If the futures might get played, but your future will save this day. But Ibrahim will have his way. Let it go, like the heavens above, the stars will let you all fly.